Ah, bonjour Joyce Soto. Oui, bonjour Valère. Alors, vous êtes à l'initiative de cette deuxième journée de G20 Diversity. Oui. Alors, nous sommes ici au Women Business Center. Chamber. Très bien. Chamber and Center. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette deuxième journée, en bref? Elle était magnifique parce qu'elle était basée sur le G25. Donc c'était un slogan, 24 heures pour se lancer, et Women Leadership Day. Ça veut dire que si on concédait une journée, donc un forum économique aux femmes leaders, aux femmes chefs d'entreprise, est-ce qu'elles pourraient en fait redessiner le contour des nations? Très bien, mais alors nous sommes ici dans cette en présence de cet objet. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot dessus? Oui, bien sûr. Donc ces bijoux sont conçus par Victorine Billet, qui est designer en bijoux. Elle travaille sur du bois. Elle a créé la marque Ébène et Chic. Elle fait des œuvres extraordinaires. Elle est productrice. Elle travaille avec des artisans africains. Et donc, elle les fait réaliser, elle les dessine, elle les fait réaliser, elle les ramène à Paris, aux États-Unis et ailleurs. Donc c'est toujours là. C'est à partir de quel matériau? Alors ici nous avons du bois, c'est Ébène et Chic. Et là nous avons une deuxième productrice qui s'appelle Yolande Nopea. Elle qui est productrice aussi. Et elle travaille avec des artisans du Ghana, du Togo, du Bénin. Et ces bijoux sont réalisés à partir du bois pilé. Du bois pilé et du fer pilé. Très bien. Alors, nous avons une troisième... Oui. Troisième artiste, sculpteur, Régine Toledano, oui, qui a reçu deux prix de la création. Le prix de la création, Régine Toledano. Mais sa base de plâtre, hein? Ah ben, non, mais c'est vous qui avez fait... Alors, revenons à vous. Alors, j'ai assisté à quelques discours, là. Oui. C'est des discours vraiment très positivistes. Très plein d'enthousiasme. Oui. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu naïf sur l'environnement? Dans quel sens? Oui, mais nous sommes quand même dans un pays où les Africains ont été un peu contraints de se trouver. Oui. On leur a pas demandé leur avis. Oui. Et qu'ils subissent un peu la révolution industrielle. Aujourd'hui, vous dites aux Africains, vous avez autant de chances... Oui. Que les autres d'être des hommes d'affaires. Oui. Alors que lorsque Jules Ferry initiait son colonialisme, c'était pour piller l'Afrique et en faire des consommateurs forcés des produits industriels européens. Est-ce que vous croyez en l'égalité des chances entre les Africains et les Européens, vous? Oui, justement, en tant que stratège, c'est de dire que la colonisation, la traite négrière, c'était du marketing, tout simplement. Et donc, en termes de marketing, l'Afrique n'était qu'une plateforme. Et donc, aujourd'hui, la France aussi est une plateforme. Alors, les experts de la diversité, les chefs d'entreprise, qui sont ces intelligences, sont à même de pouvoir faire évoluer cette France là où elle s'est arrêtée. La crise n'existe pas. C'est un monde qui a muté. Alors, le comportement du changement, il appartient à la diversité de pouvoir l'apporter à la France. Nouveaux comportements, nouveaux langages, nouvelles attitudes, nouvelles influences, nouveaux standards sociétaux. Oui, mais alors, on sait quand même que dans le domaine des affaires, oui, il y a quelque chose qui surplombe, c'est la banque. Oui. On ne peut pas faire les affaires sans la banque. Oui. Alors, puisque la banque n'est pas favorable aux Africains, oui, comment vous comptez faire franchir cet obstacle aux Africains? Eh bien, c'est simple, c'est qu'il y a la banque, c'est vrai, mais il y a aussi les plateformes, il y a les marchés. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment... Nous, en Afrique, les Africains n'ont pas la culture de l'entreprise. La culture, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre sur pied des vecteurs de croissance tels que des plateformes, tels que des marchés, où l'offre et la demande se rencontrent, où les prestations de services et la société civile se rencontrent pour pouvoir générer du flux. C'est ça, générer du flux et pouvoir susciter, redoter chaque acteur d'un pouvoir économique. Oui, mais en Afrique quand même, notamment au Cameroun dont vous êtes originaire, la banque elle est quand même tenue par le franc CFA. Et le franc CFA, ce n'est pas la monnaie du Cameroun, c'est la monnaie de la France. Oui. C'est un instrument colonial, oui, pour continuer à soumettre l'économie locale. Oui. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que les Camerounais... Et les Ivoiriens, tous ces gens des anciennes colonies, entre guillemets, françaises, oui,
ils ont des réelles opportunités, comme les ont aujourd'hui les Nigériens, dont on voit les milliardaires venir investir même dans le secteur de la cimenterie au Cameroun, comme M. Dangote. Est-ce que vous croyez vraiment que les Africains de la zone CFA n'ont pas d'abord un premier combat à mener, c'est-à-dire depuis leur pays qui leur sert de tremplin, tenir leur les rênes de leur économie à main en ayant leur propre monnaie? Mais vous savez que c'est une question de culture économique. C'est-à-dire que, en fait, le franc CFA est sponsorisé par l'Occident. Et tant que le franc CFA sera sponsorisé par l'Occident, ce problème demeurera toujours. Mais aujourd'hui, on promeut énormément de milliardaires africains qui, eux, n'ont pas réalisé en fait que l'argent est un vecteur. L'argent n'est qu'un canal. Alors, ces milliardaires et ces millionnaires, est-ce qu'ils ont conscience du fait qu'il faille financer des plateformes, c'est-à-dire créer des échiquiers où en fait les uns les autres se rencontrent? Ça veut dire aussi que sur le plan économique, il faudrait faire une séparation entre l'Afrique anthropologique et l'Afrique économique. Oui, à partir du moment où nous considérons que en France, ce sont les stratèges en fait qui ont porté à l'extérieur le marketing politique, nous pouvons considérer aussi que la diversité aujourd'hui, parce que la France a muté, c'est eux qui portent l'intelligence économique actuelle. Donc pour moi, il n'y a pas de barrière. Je crois que la diversité est encore, a encore des replis identitaires. Mais la question économique n'est pas identitaire. Elle est professionnelle. Il nous incombe aujourd'hui d'avoir une culture professionnelle en nous rendant compte qu'il n'y a pas de barrière dans le monde de l'économie. Je vous remercie, Joël Souto. Nous allons donc nous diriger vers le concert où nous attend. Je vous laisse présenter. Oui, alors nous avons une plateforme donc, de deux chanteuses. Il y a donc Adja, qui est une de mes filleules, qui est manager de la Chambre économique, et Eva, qui est chanteuse également. Une chanteuse, elle se développait dans le métro, et nous avons pensé opportun de lui donner l'opportunité de profiter de nos 1000 mètres carrés. La Chambre économique a 1000 mètres carrés, deux auditoriums et des plateformes pour pouvoir présenter un travail. Nous allons donc les découvrir tout de suite. Très bien. Merci, Joël. Money yo, money yo, to learn me. Who said oh 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 oh? Yeah, boy, oh oh. Yeah, boy, oh oh oh. Yeah, boy, oh oh. Yeah, boy, oh oh oh. Do hold me, oh, do learn me now. Do hold me. Ne can't walk, hey, 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 hey.
Collective que l'on a tous devrait nous permettre de comprendre qu'à ce moment vous répondez tout simplement wow 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 c'est aussi un synonyme de la vie, c'est l'amour. On s'aime trop peu. Non seulement on s'aime trop peu, surtout on se le dit encore moins. Cette chanson juste pour qu'on puisse se dire au quotidien, dire à son frère, dire à sa sœur, je t'aime, ça fait pas de mal. Ça nous enlèverait. Si